Dis-moi où se trouve l'entrée. Quelle naïveté. Je croyais que seul le savoir t'intéressait. Le savoir doit servir nos ambitions. Nous avons une chance de façonner un monde meilleur, où chacun sera libre de choisir son propre destin. Et si je choisis de refuser cette vision des choses, ce serait absurde. Ne comprends-tu pas? Nous pouvons éradiquer l'ignorance, mettre fin aux classes sociales et au royaume, sauver l'homme de ses pires instincts. La vérité à portée de main pour tous. Attends, ce que tu essaies de me dire, c'est que tu me brutalises pour le bien du peuple. L'unificateur de Pythagore est dans ce temple. Et tu le sais, le nombre qui régit les lois de la nature, celles du monde, il est la source. Grâce à lui, nous ouvrirons l'âme. Nous leur donnerons la connaissance, en haut comme en bas. C'est le credo des armes. Ensemble, nous transformerons les hommes en dieux. Montre-moi l'entrée. Quoi? Tu ne sais pas où elle se trouve? Comment le saurais-je? Tu connais les besoins et les désirs des hommes. J'aurais juré que pour toi, trouver l'emplacement d'une entrée secrète serait un jeu d'enfant. Otsua! Où est-elle? Devine. Ma patience a des limites, imbécile. Procedente! Mon corps ressent la douleur. Mais mon esprit, lui, ne cède pas. Impressionnant. Recommencez. Encore! Ezio Auditore! Toi qui as arrêté Cesare Borgia, toi qui as combattu l'ignorance des Romains, persuade notre ami Leonardo d'ouvrir le temple et que puisse commencer l'âge d'or de l'humanité. Dois-je convaincre notre ami en le battant à mort, ou préfères-tu que j'utilise ma lame? Ne te méprends pas. Je ne demande pas mieux que de trouver une solution pacifique. Leonardo doit se montrer raisonnable. Avec l'unificateur de Pythagore, nous réinventerons l'avenir de l'homme. Je ne te laisserai pas faire. Alors la révolution commencera sans toi. Ucciderlo! Ne perdez pas! Allez, abattez-le! Leonardo, je dois savoir! Je t'en supplie, pour l'avenir de l'humanité! Allez, abattez-le! Avanti! Tu ne m'échapperas pas. Ne t'approche pas, assassin. Les hommes se valent tous,
et pourtant les peuples ne cessent de se déchirer. Tu tiens vraiment à ce que nous revenions à nos origines primitives ? Florence contre Venise, Venise contre Rome, ignorant contre ignorant jusqu'à la fin des temps, c'est ce que tu veux ? Toi, un assassin ? Un ennemi de la connaissance ? La quête de la vérité doit rester un choix. Et l'imposer aux autres serait une grave erreur. Ces âmes perdues. Ces royaumes en guerre. Je voulais mettre fin à leur souffrance. Puisse la mort t'éclairer et t'apporter la vérité. Requiescat in pace. Bien, quittons cet endroit. Pas encore, Ezio. Nous devons d'abord atteindre la dernière salle du temple. Tu es blessé? Oh, ça va aller. Si nous laissons le nombre ici, un autre illuminé finira par le découvrir. Tu viens? Prends cette torche. Je vais passer devant. Heureusement que j'ai envoyé Massimo chercher mes tableaux. Ce subterfuge a permis de les retarder. Les pythagoriciens croyaient que l'âme passait à travers les fissures de la terre, un peu comme un rayon de lumière. Le feu symbolise la connaissance. Continue, tu y es presque. J'aimerais bien t'y voir. Thank you.
Nous devons continuer. J'imagine que Salai est en train de se payer du bon temps avec mon argent. Il est sauf à l'atelier. Ah, me voilà rassuré. Enfin, pour mon argent, s'entend. Inutile de mentir. Salai est fait pour toi. C'est tout ce qui compte. Leonardo da Vinci qui reste sans voix. Ça, c'est une première. Cette salle manque de lumière. Tu as entendu ? Le bruit du vent. Les pythagoriciens croyaient que toutes les forces de l'univers pouvaient être exprimées en chiffres. Pour eux, les mathématiques devaient permettre à l'homme de s'approprier les pouvoirs de la nature. Je sais comment remonter. Qu'une salle avant d'atteindre le centre. Pas ça. Magnifique. Le feu de la connaissance. Exact. Pour les pythagoriciens, l'harmonie est atteinte quand la multiplicité devient unité, quand de nombreuses pensées s'assemblent en une seule et même idée.
sera utile en cas de chute. Oui, tu as le feu sacré. Très drôle. L'unité est atteinte, mais la porte est toujours fermée. Leonardo, viens ici. Tu reconnais ces symboles? Non. Attends. Ce sont très précisément les symboles que la pomme d'Éden m'a révélés. Ils sont dans le désordre. Si je les remets, je pourrais essayer de... Voilà. Cette architecture. Ce ne sont pas des symboles pythagoriciens. 43, 39, 19, N,
75, 27, 42 et haut. Rien. Le culte d'Hermès se trompe. Ce nombre n'a aucun sens. Tu t'en vas ? Aucun nombre ne peut sauver le monde. Viens, mon ami. Je dois affréter un navire pour la Navarre. Je dois en finir avec Cesare Borgia. Il ne nous est pas destiné. Ezio, tu me caches quelque chose. Alors, sur quoi travailles-tu ? Eh bien, j'ai entrepris plusieurs travaux de dissection. Et puis le roi Louis XII m'a demandé de devenir son ingénieur attitré. Ah oui, je compte repeindre le Saint-Jean qui a disparu dans l'incendie. Salaï pourra me servir de modèle. Ensuite, j'examinerai peut-être le corps d'une femme enceinte pour voir comment il évolue. C'est fascinant. Dis-m'en plus. Vous pouvez lui injecter le sédatif. Nous avons ce que nous voulions. Trop tard. Ugh.